très désolée pour le retard. Quelle est ton excuse? J'ai dû changer plein de fois de direction car il avait trop de bouches d'écoute dans les rues. Et alors? On ne savait pas, ça porte malheur quand on marche dessus. Mais Yasmine, qu'est-ce que tu portes sur le dos? Une queue de mouton, c'est pour faire partir les points noirs. J'en ai beaucoup en ce moment. Regardez, maîtresse. Ah oui? Bon, tu peux la garder. Ça pourra peut-être t'aider à avoir de meilleures notes en plus. Merci, maîtresse. Bonjour, maîtresse. Excusez-moi pour le retard. J'ai dû faire un grand détour à cause d'un chat noir qui était sur mon chemin. Mais où est ton cartable? Je me suis fait voler ainsi que mon goûter. Ah bon? Mais je sais pourquoi. C'est parce que ce matin, j'étais dans la salle de bain et j'ai parlé à ma mère. Aïe, aïe, aïe! En plus, sur le chemin, je suis passée sous une échelle. Ouïe, ouïe, ouïe! Bon, ça fait beaucoup. Hein. Va à ta place. Tresse, je peux aller aux toilettes? Attends un peu. D'accord, mais c'est pressé. On vient juste d'entrer en classe. Les enfants, aujourd'hui nous accueillons une nouvelle élève. Bienvenue dans notre classe, Yasmine. Merci, maîtresse. Sinon, je vais prendre son petit-déj. En plus, il me dit cette porte dans la classe. Mais qu'est-ce qui te prend de faire ça? Maîtresse, c'est la première fois que j'entre dans cette classe. Il faut que je fasse fuir les mauvais esprits, les créatures invisibles, bref, les genoux, quoi. Et maintenant, je peux aller aux toilettes? C'est toujours pas le moment, Mehdi. Maîtresse, je peux récupérer le devoir pour demain, je t'absentir. Bien sûr, tu étais malade? Non, mon père a ouvert son parapluie dans la maison sans faire exprès. Du coup, ma mère ne voulait prendre aucun risque. Alors, on est tous restés à la maison, enfermés dans nos salons, assis sur le canapé. C'est vraiment pas de chance. Si, justement, on a eu la chance d'éviter la malchance. C'est une façon de voir les choses. Ah non, tu pleures? Oui, maîtresse, je ne vais plus jamais grandir. Jade m'a enjambée quand on était dans la cour. Jade, viens. Je vous le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je te crois, mais il faut réparer ça maintenant. Soulagée? Oui. Oui. Maîtresse, ça ne dérange pas si j'enlève mes chaussures? Les fais croiser. Pourquoi veux-tu faire une chose pareille? J'aimerais tellement voyager. Moi aussi. Maîtresse, j'y vais maintenant? Où ça? Aux toilettes. Non et non, c'est toujours pas le moment, Mehdi. Mais ça va pas, arrête de te ronger les ongles. Pourquoi? Je les range tout le temps, surtout quand je suis stressée. C'est bientôt les bilans. Tu sais pas que ronger ses ongles provoque la rhumie? Tu veux être pauvre plus tard? Bien sûr que non. C'est peut-être à cause de ça que mon cousin n'a plus de travail. Il se ronge les ongles? Oui. Tu vois? Il ne faut jamais faire ça. Mais pourquoi? Car tout le monde sait que ça crée des tensions entre les amis. Maîtresse, il y a quelqu'un qui dit du mal de moi. Qui ça? Je ne sais pas. En fait, mon oreille siffle et mon sourcil me pique. Il y a forcément quelqu'un qui dit du mal de moi. Ouais. Qui dit du mal de celle d'ici? Maîtresse, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Mais c'est si pressé que ça? Ça peut pas attendre? Maîtresse, c'est pas ça. Il y a celle qui a laissé couler de l'eau très chaude avant de rentrer en classe. Et il faut mettre de l'eau très froide, sinon les genoux vont se brûler. Ah, mais fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Chouette, je veux recevoir de l'argent. Mais pour que ça marche, tu dois embrasser ton index. Ah, mais attends, c'est la main gauche qui rapporte de l'argent. La main droite qui te gratte
Au contraire, c'est toi qui dois donner de l'argent. Oh, t'es sûre? Certaine. Merci. Entrez. Veux-tu, s'il te plaît, m'expliquer ce retard? En fait, je savais que cette matinée d'école allait être catastrophique. Du coup, je me suis permise de m'absenter. Et comment savais-tu? Ce matin, mon œil gauche n'arrêtait pas de se contracter. Ça veut bien dire qu'il y avait un gros problème. Et j'avais raison, non? Ah oui. Mais maintenant, c'est mon œil droit qui se contracte. Donc, tout va bien? Ouh, ah non.